Okay, so I hope the budget constituencies have moved out if you need to still discuss any figures. Then I would like to start with our normal midday. Donc bonjour et bienvenue à notre réunion de midi. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 novembre. Je commence par une annonce concernant la Roumanie. Le président Juncker a aujourd'hui félicité le nouveau premier ministre de la Roumanie, M. Ludovic Orban, pour sa nomination. And he wrote, I'm confident that the spirit of Sibiu and your desire for a stronger Europe at home and abroad will continue to inspire future action. And you will find the full letter on the president's Twitter account shortly. Then the college agenda for tomorrow has been finalized following the meeting of heads of cabinet yesterday afternoon, and Commissioner Moscovici will present to the college the economic situation ahead of the autumn economic forecast, which will be announced on Thursday, the 7th of November, and he will present this forecast to you in the press room on Thursday at 11 o'clock. Vice President Dombrovskis and Commissioner Moscovici will then update the college on the state of play on the Commission's assessments of euro area member states' draft budgetary plans. This is a stocktaking ahead of the adoption of opinions by the end of the month, as our rules foresee. Then, the Commissioner for Agriculture, Phil Hogan, is in China this week to conclude a bilateral agreement with China that would protect 100 geographical indications on each side against imitations. And with this landmark agreement, the EU and China are delivering on a commitment that was made at the last EU-China summit in April 2019. And it follows another agreement that the EU and China signed earlier this year on civil aviation safety, together with the horizontal aviation agreement to strengthen our aviation cooperation. And these are very concrete examples of cooperation between the EU and China, reflecting the adherence of both sides to international rules as a basis for trade relations. A joint statement by the EU and China should be signed tomorrow to seal a process that was launched by the EU and China in 2006. And more information will be made available to you tomorrow. And a technical briefing will also be organized following the college readout. Puis, quelques bonnes nouvelles pour des étudiants de Erasmus. La Commission européenne a publié aujourd'hui son appel à proposition pour le programme Erasmus Plus pour 2020. Et les budgets prévus de plus de 3 millions d'euros en augmentation de 12% par rapport à 2019 offrira encore plus d'opportunités aux jeunes européens pour étudier, s'former ou acquérir une expérience professionnelle à l'étranger. Parallèlement à l'appel à proposition, la Commission a également publié aujourd'hui les guides du programme Erasmus Plus dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Il fournit aux candidats des informations détaillées sur toutes les opportunités qui s'offrent à eux, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Un communiqué de presse est disponible en ligne pour plus d'informations. Aussi aujourd'hui, la Commission publie les recommandations d'un groupe d'experts, les forums stratégiques sur les grands projets d'intérêt commun européen. Il vise à renforcer la compétitivité et le leadership mondial de l'Europe dans 6 secteurs industriels d'avenir, notamment véhicules connectés, propres et autonomes, technologies et systèmes hydrogène, santé intelligente, Internet industriel des objets, industrie à faible émission de carbone et la cybersécurité. Les experts ont formulé des recommandations spécifiques à chaque secteur et ont identifié des facteurs clés de succès tels que des investissements conjoints et coordonnés, l'approfondissement du marché unique et le développement de compétences. Vous trouverez plus d'informations sur ces recommandations dans nos daily news et avec notre équipe de l'OCIA. And then before taking your questions, please let me warmly welcome a group of students journalists in the press room today. Welcome, you can wave if you're still here. Maybe you're not here. Yes, you are still here. Okay, hello. Without further ado, now the floor is yours. Let's start with Thomas. Welcome
officially to the press room.